Je vais vous expliquer comment fonctionne le mode classé de Fortnite. Alors tout d'abord, pour jouer en mode classé, vous allez devoir sélectionner soit le mode Battle Royale normal ou soit le mode Battle Royale sans construction. Donc juste ici, vous sélectionnez le mode ou alors vous sélectionnez directement le classé qui a une image différente. Donc imaginons, je veux jouer en Battle Royale normal avec les constructions. Ce que je fais pour jouer en mode classé, c'est que je fais flèche du haut et j'appuie sur L3, donc le joystick de gauche, pour mettre sur On. Donc là, j'ai la possibilité de jouer en solo, duo, section. Donc pour l'instant, il n'y a pas le mode trio. Ça arrivera sûrement plus tard. Alors il faut savoir que c'est la saison 0. Donc ils sont en train de faire des tests pour ajuster pour la prochaine saison. Donc là, c'est la saison 0 du mode classé. Donc si maintenant je veux jouer en 0 construction, je sélectionne 0 construction, je fais flèche duo. Et là, je mets on. Donc pour l'instant, le mode 0 construction ne fonctionne que en duo. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez combler la partie uniquement si vous êtes en solo. Donc là, je peux combler la partie en appuyant sur le joystick droite. Et si maintenant je suis en mode construction normal, Battle Royale normal, je peux combler la partie uniquement si je suis en solo. Donc si vous êtes à 2 et que vous voulez faire de la section, vous ne pourrez pas combler votre équipe. Donc voilà, ça ne fonctionne uniquement si vous êtes en solo. Alors il y a un système de rang qui va vous indiquer où vous vous trouvez dans le classement. Donc ici à gauche, vous pouvez voir que par exemple, moi je suis argent 2 à 88%. Donc si maintenant vous appuyez sur votre pad, là vous voyez tous les rangs. Donc ça commence du rang 1 jusqu'au rang 3. Donc par exemple, bronze 1, puis bronze 2, puis bronze 3, etc. jusqu'à diamant. Donc jusqu'à diamant, il y a 3 rangs à chaque fois. Ensuite, il y a Elite, Champion et Unreal qui, eux, n'ont pas de 1, 2, 3, quoi. Alors, pour augmenter dans votre rang, vous allez devoir éliminer des adversaires. Vous allez devoir aussi faire des bons tops, genre des top 1, top 10, top 50. Et il faut savoir que votre rang en Battle Royale et en 0 construction sont séparés. Donc, vous avez votre rang en Battle Royale et en 0 construction qui sont indépendants. Information assez importante. Si maintenant, vous infligez des dégâts à un joueur, mais qu'une autre team finit le joueur que vous avez infligé des dégâts, vous allez quand même gagner un pourcentage pour votre progression dans vos grades. De plus, il faut savoir aussi que chaque élimination que vous allez faire en fin de partie rapporte plus de progression. Et les gains ou les pertes que vous allez gagner pour votre progression dans votre partie sont partagés entre tous les joueurs de la team. Donc si maintenant vous jouez en duo, le premier joueur va faire, je sais pas moi, 40% de progression, ben le joueur 2 fera exactement la même progression. Dans ce système de mode classé, vous avez des récompenses que vous allez pouvoir débloquer. Quand vous allez lancer une game, vous allez avoir une quête urgente à réaliser. Donc les quêtes, c'est principalement faire des dégâts avec certaines armes, faire des top 50 ou faire des éliminations. Plus vous allez compléter vos quêtes, plus vous allez débloquer des récompenses. Et il y a une récompense ultime si vous complétez 50 quêtes urgentes classées. C'est une émoticône qui affichera votre rang dans le mode classé. Donc là, à l'écran, vous pouvez voir que je vous ai mis une vidéo où justement, l'émoticône change en fonction de votre rang. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir flex en montrant votre rang aux autres joueurs. Alors cette récompense-là est liée à la saison 0 du mode classé et bien entendu à chaque nouvelle saison, vous allez obtenir de nouvelles récompenses et je trouve que c'est assez stylé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fin de saison, vous allez obtenir un rang, par exemple, je sais pas moi, platine. Et bien la saison suivante, ça affectera votre rang de départ pour la prochaine saison. Alors il n'est pas expliqué, mais si maintenant, par exemple, vous êtes Unreal, Champion ou Elite, je pense qu'à la prochaine saison, à la saison 1, vous retomberez au maximum diamant 1. Si maintenant vous êtes diamant 3 par exemple, bah là vous retomberez en platine 1. Je pense que de bronze à diamant, vous serez rétrogradé de 1 rang à chaque nouvelle saison. Alors il n'est pas précisé, c'est un manque de communication de la part de Fortnite, mais je pense que ça fonctionnera comme ça. Si vraiment il y a d'autres explications qui arriveront à la saison 1 du mode classé qui sont assez importantes, bah je vous referai une vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé pour vous éclaircir sur le sujet. Alors maintenant pour le matchmaking, ce qu'il faut savoir c'est que si maintenant vous jouez en duo et qu'il y a un joueur par exemple qui est platine et un autre qui est joueur or, et bien celui qui a le plus haut rang, donc le platine, ce sera le joueur de référence pour le matchmaking. Donc ça veut dire que quand vous allez lancer une partie, bah vous tomberez sur des joueurs qui sont de rang platine. Parce que c'est le rang le plus haut des joueurs de la team. Pour ce qui concerne les tournois, il faut savoir que maintenant, il va falloir obligatoirement vous classer dans le mode classé pour pouvoir participer à certains tournois. Donc les conditions des tournois, c'est toujours la même chose. Vous allez dans l'onglet compétition et vous allez regarder les conditions de participation. À ce moment-là, ils vous diront si vous devez être rang argent, platine, or, etc., etc. Pour le rang maximum qui est le rang Unreal,
Il faut savoir que quand vous atteindrez ce niveau, vous serez directement classé sur un site internet que je vous mettrai en description en commentaire épinglé. C'est un classement avec tous les joueurs qui ont atteint le niveau Unreal. Quand le joueur atteint Unreal, il va se battre contre les autres joueurs qui sont dans le classement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous êtes Unreal, vous ne pouvez pas rétrograder de niveau. Donc par exemple, vous ne pouvez pas retomber en champion, ni en élite, ou ni les autres précédents. Vous resterez toujours Unreal dans toute la saison où vous êtes. Quand une nouvelle saison démarrera, je suppose que vous allez retourner en diamant directement. Mais ça n'a pas été indiqué par Fortnite, mais je suppose que ça fonctionnera comme ça. Donc ça veut dire que pour chaque saison, vous allez devoir remonter Unreal si vous voulez vous placer dans le classement Unreal. Autre petite information très importante aussi, si maintenant vous êtes bronze jusqu'à champion, vous pouvez rétrograder de rang. Donc si vous êtes champion, si vous faites plusieurs parties, vous ne faites pas d'élimination, vous ne vous classez pas assez bien dans la partie, genre top 10, top 5, et bien là directement vous allez retomber en élite. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, en diamant 3, et bien c'est pareil, si vous ne faites pas assez d'élimination ou que vous ne vous classez pas assez dans le top, et bien là vous allez redescendre niveau 2 de diamant. Et etc, etc. En fait, vous pouvez rétrograder de niveau. Alors là, je trouve qu'il y a encore un manque de communication de la part de Fortnite parce qu'il ne nous indique pas combien de points on gagne pour chaque élimination, combien de points on gagne pour chaque classement, genre top 10, top 5, etc, etc. Donc je suppose que comme ils sont en ajustement des paramètres du mode classé, bah peut-être qu'à la saison 1, on aura plus d'informations à propos de tout ça. Et je vous referai peut-être une vidéo pour vous expliquer les informations qui arriveront prochainement, que je mettrai bien sûr en description en commentaire épinglé, ou alors je vous épinglerai tout simplement les statistiques en commentaire épinglé. Alors dernière petite information, en mode classé, vous avez vos matériaux qui sont réduits de 999 à 500 matériaux maximum. Le taux de récolte quand vous allez piocher un arbre ou une pierre est légèrement augmenté. Et quand vous allez tuer un adversaire, vous obtiendrez directement 50 unités de chaque matériau lors de l'élimination. Et pour les nouveaux joueurs, vous ne pouvez pas participer au mode classé tant que vous n'avez pas survécu à 500 adversaires en mode partie normale. Code créateur SCL.